Alors qu'elle annonçait le 8 juillet 2023 une triste nouvelle à ses abonnés avec sa fausse couche, Mélanie Gonzalez s'est fendue d'une annonce plus réjouissante jeudi 20 juillet 2023 via une vidéo sur le compte Instagram de la famille. La tribu a accueilli un tout nouveau compagnon. C'est une bien triste nouvelle que Mélanie Gonzalez a partagée le 8 juillet 2023 sur le compte Instagram de la famille, qui s'est fait connaître dans l'émission de TF1, Famille Nombreuse, La Vie en XXL, la perte de jumeaux que la maman attendait. Deux jours plus tard, le 10 juillet 2023, toujours sur Instagram, l'ancienne participante du programme a tenu à délivrer un message de soutien à toutes les femmes ayant été victimes de fausses couches. « Dans les messages que je reçois chaque jour, de nombreuses mamans m'expliquent à quel point elles ont mal, et à quel point elles ont l'impression d'être seules, face à la tristesse qu'elles ont l'impression de devoir garder silencieuse, par manque de légitimité, mais surtout combien elles ont le sentiment d'être seules », écrit-elle dans un premier temps, avant de notamment rajouter « Sachez que vous n'êtes pas seule. Vraiment pas. Regardez autour de vous, et dites-vous qu'une femme ayant déjà été enceinte sur 4 a vécu cette douleur. Je vous présente une nouvelle boule d'amour qui rejoint notre tribu jeudi 20 juillet 2023, la mère de 8 enfants a cette fois-ci annoncé une nouvelle plus joviale. Alors que la famille Gonzalez est habituée à adopter de nombreux animaux, à l'image de leurs 3 chiens, Scrappy, Timon, et Ulysse, mais également de façon plus surprenante une chèvre, c'est un petit chat qui a fait son entrée dans la tribu. Je vous présente une nouvelle boule d'amour qui rejoint notre tribu. Pour le plus grand bonheur de Margot. Voici Utopia, a écrit la femme de Franck, sur le compte Instagram de la famille, avec une vidéo montrant la fille aînée de la famille découvrir son nouvel ami. Une nouvelle qui a évidemment entraîné des réactions réjouissantes, bienvenue à Utopia. Dans votre famille, je ne m'inquiète pas pour elle, magnifique petite bouille d'amour, ou bien encore cette petite boule de poils fera le bonheur des enfants, il sera bien traité, tellement de douceur dans cette jolie famille.